Müller, beaucoup de mouvements, beaucoup d'animation. Müller, là, pas de position de hors-jeu pour finir. Slap qui peut centrer. La tête de Schürrle qui n'est pas cadrée, mais énorme occasion là pour eux. 100% des matchs, vous ne raterez absolument rien sur les antennes de beIN Sport. Et il y a ce ballon pour Marco Reus pour l'ouverture du score. Non, la sortie de Roman Berezzo. Toni Kroos, la sortie de Berezovski, les deux points. Et ballon récupéré et dégagé par Manu Carrière. Et les mêmes chaussures pour Marco Reus, c'est le style Dortmund. Une rose, une bleue, Reus, la tête de Boateng. Il n'est pas cadré, mais enfin sur un corner, on a... Et sur coup de pied arrêté, les Allemands seront très dangereux. Müller, oh bon ballon, oh le bon ballon là pour Marco Reus. C'est la sortie de Berezovski qui vient remporter son duel devant Marco Reus. Tout à l'heure déjà, il avait touché le ballon. Troisième de la Coupe du Monde en 2010 et une demi-finale de l'Euro 2012. La régularité, le très haut niveau. La frappe de Boateng, cadrée, mais sans problème pour Berezovski. Ah, c'est Marco Reus qui tire les corners côté droit, mais c'est bien Toni Kroos qui les tire côté gauche. Et c'est rentrant en deuxième poteau. Berezovski, obligé de dégager de deux points. La reprise derrière de Marco Reus. Pas cadré, mais sur le... Podolski, de l'espace, c'est pour Lucas Podolski. Oh, superbe. Le but d'André Schürrle, superbe. La petite talonnade. Schürrle. Thomas Müller à nouveau. Thomas Müller, qui dira pour la frappe. Elle est un peu trop écrasée, là, pied droit. La bonne parade de Berez. Özil. La frappe de Boateng. Elle est belle, cette frappe. Sur ce mauvais... Podolski. Podolski aurait bien fait avec Mesut Özil. Mesut Özil! Ah, c'est sur le poteau! Oh, que ce but aurait fait du bien à Mesut Özil! Özil, oh, la bonne passe! C'est le deuxième but! Le deuxième but inscrit par Lucas Podolski! Sur le Özil qui laisse passer, Schweinsteiger au deuxième poteau. La tête! Et le troisième but! Le troisième but inscrit par Béni. Les supporters de la National Mannschaft montrent de bonnes choses. Sans en pleine possession de ses moyens. Et le but de Klose. Et le but de Miroslav Klose. Özil. Ouais, bien fait. Podolski. 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 Avec le cinquième but. Le cinquième but inscrit par Mario Götze. Une équipe qui est vraiment complète. Beaucoup de qualité technique, qualité de vitesse. Grosse creuse, avec ce ballon qui va rentrer peut-être, non, Berezovski, ce n'est pas terminé, Götze, et ça fait 6, et ça fait 6 pour la National Mannschaft, Mario Götze.